Ouais, je vous en fais une dernière vidéo là. Excusez-moi, j'ai la voix qui pétait. Ma voix est cassée. Je veux vous avertir qu'il y a des petits rigolos qui se sont amusés à faire les cons là pour diviser les gens. Hein, ils transforment nos écrits et tout ça. Ok, je veux bien qu'il y en a qui sont pas d'accord avec nous, mais il se passe de drôles de choses. Ouais, parce que ça a le fait aussi avec des personnes avec lesquelles j'avais pas écrit et tout ça, d'accord? Ils ont reçu des messages de ma part alors que j'ai jamais écrit. Ouais. Donc il y a un petit rigolo qui s'amuse à foutre sa merde un peu partout. Ouais. C'est sûrement pour nous diviser tout ça, pour qu'on s'engueule et tout ça, puis qu'on se fâche, quoi. Hein, diviser pour mieux régner, voilà ce qui se passe. Je pense qu'ils vont le faire sur toutes les chaînes. Ils s'amusent bien. C'est fait exprès, hein, pour pas qu'on puisse se soutenir les uns les autres, pour qu'on se crache à la gueule. Alors, faites gaffe, quoi. Rabbi, il va falloir que tu fasses attention aussi, parce qu'il va sûrement se passer aussi sur ta chaîne. Si jamais tu lis un propos de moi qui t'insulte ou quoi, ça sera pour moi. Hein. Ouais. Faut que tu fasses attention, ok? Je crois qu'ils sont en train de s'amuser pour que tout le monde se tape sur la gueule, quoi. Ouais. Alors, ce soit Iblis ou autre chose, hein, parce que bon, bah, il n'y a pas que Iblis hein, qui s'amuse à ça. On très bien que tout le monde, ils veulent qu'ils s'entretuent, alors ils savent pas quoi faire, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas encore mangé, tu vois. J'ai juste mangé un peu de je sais plus quoi. Non, l'autre il m'a coupé l'appétit à me gueuler dessus. Oh, c'est pas grave. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. L'autre il va continuer à me maudire toute la nuit, là. Et quoi qu'il va pas. Comme tu vois de la merde, hein, tu te la reprends dans la gueule, hein. Je peux même plus parler. Je peux même plus parler du tout. Oh, c'est la gorge qui est en train de se serrer là. S'amuse bien, vas-y. Amuse-toi bien l'autre à me maudire. Il est en train de me maudire ce coup. Qu'est-ce que je fous là, moi, dans ce bled là? Enfin bref. En tout cas, je voulais avertir tout le monde, voilà. Il y a des petits rigolos qui s'amusent bien à écrire à notre place. Moi, je me demande s'ils n'ont pas piraté mon compte pour écrire à ma place. C'est pas de raison, parce que pour qu'on écrive à ma place des trucs à d'autres, et puis qu'on écrive à d'autres des trucs que j'ai pas écrit, là, c'est du n'importe quoi, quoi. Ouais. Alors, soyez vigilants, hein, et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que là, il y a une grosse merde qui se passe, là, vas-y. Bon, bah, moi, je vais me bouger, je vais me préparer mes affaires, parce que l'autre, il va encore gueuler comme un con. Ouais, 9h30. Bah, quoique j'ai encore du temps devant moi. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Ouais. Là, j'en peux plus, je peux plus parler. Là. Pourtant, j'ai pas beaucoup parlé, truc. Ça la fout mal, quoi, vas-y. Moi, j'en peux plus. Alors, déjà qu'il y en a qui sont pas d'accord entre eux, ils viennent vous faire chier. Ils insultent, moi, je les remets à leur place. Mais là ça va plus haut encore. Ils veulent foutre la merde avec les gens avec qui on est bien. Ouais. Hein. Évidemment. Hors de APKO, enfin. Hors de. Hein, ils mettent l'ordre par la division, quoi. Ouais. J'ai vu des gilets jaunes, moi, qu'est-ce qu'ils s'amusent, ils se font de l'argent sur leur. Ils se font du fric, ils vendent des pins, tout ça. Ils s'engraissent la gueule. Ils ont pas honte. Ils ont vraiment pas honte, ils font un business. Ouais, ça me rappelle un truc qu'il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temple, que Jésus a tout renversé, hein. Voilà ce qu'ils font. Ils font de l'argent. Ouais, on fait de l'argent pour donner aux gilets jaunes. C'est du propre, ouais, il y a des gens qui sont morts. Et vous faites ça, vous agressez la gueule à vendre des trucs et tout ça. Vous n'avez pas honte. Hein. Ouais, moi, je dénonce aussi, moi. Je sais pas pourquoi que je dénoncerai pas. Quelle honte, mais quelle honte. Faire de l'argent sur des gens qui sont morts. Engraissez-vous bien la gueule, là, quand vous allez crever, vous n'allez pas en profiter de votre pognon que vous avez fait, là. Pour vous engraisser, là. Ouais. Quelle honte. Je vais me gêner, à te dire la vérité. C'est une honte de ce que vous faites, parce que pour les vrais gilets jaunes, qui ne sont pas des casseurs, les vrais, hein, on sait très bien la vérité là-dessus.
En plus, il y en a qui s'engraissent la gueule là-dessus. Eh ben, vous inquiétez pas, vous aurez votre rétribution. Ouais. Eh, vous paierez pour ça. C'est dégueulasse. Ouais. Je connais un qui va continuer à me maudire. Bon, c'est pas grave, hein, mon gars, mais t'es en train de te rendre malade. Et le bon moment, tu te reprends dans la gueule, mon gars. Ex de mes deux. Comment ça me casse les couilles, celui-là, sérieux. J'ai pas le droit de parler, en plus. Ah oui, j'ai pas le droit de parler. Il va bien falloir que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Soit par ma mort ou autre chose. De toute façon, s'il arrive une couille, c'est moi qui vais en prendre plein la gueule parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me défendre. Si je me défends, je peux parer les coups, mais j'ai pas le droit d'en donner. Que mon père m'aide. Que mon père m'aide. Ouais, que papa m'aide, ouais. Parce que je sens qu'il va se passer des trucs et ça va pas être du beau joli. Non, ça va mal se finir. Ouais, c'est ainsi. Bon alors, oubliez pas, hein. Il y a des petits enculés qui viennent et qui font les cons, là. C'est pas pour rien. Alors passez-vous le mot entre vous tous, et puis si vous voyez des choses qui sont pas très normales, ben vous l'indiquez aux autres, et puis voilà, hein. Il faut se soutenir, et puis voilà. S'il y a une couille, vous le dites. Vous dites, tiens, j'ai eu ça comme message. Vous vérifiez. Et puis voilà. Faites-le tous, hein, sur toutes les chaînes. Et puis voilà. Et essayez de trouver le coupable, si vous pouvez. Hein, parce qu'il y en a, ils sont très forts en informatique. Ils peuvent retrouver. Hein, ils peuvent les pister. Moi, j'arrive à faire quelques trucs, mais bon... Après, ça rentre dans l'illégal, donc non, j'y vais pas. Je suis à la limite. Hein. Je vais à la limite des choses. Je tiens pas à avoir des problèmes, quoi. Mais sinon, je peux pister, ouais. Voilà. C'est très bien qu'il faut qu'ils foutent la merde pour diviser, quoi. Alors, soyez vigilants et puis réfléchissez avant, hein. Moi, que j'attaque quelqu'un qui m'attaque, directement, je suis sûr, mais là, je vois bien qu'il se passe des trucs bizarres par à côté, quoi. Voilà. C'est comme ça. Je vous embrasse tous, et puis voilà. Richard, sois vigilant aussi, hein. Sois vigilant. Soyez tous vigilants. Faut pas se laisser séduire, et puis il faut faire gaffe, quoi. Ouais. Ah bah oui, hein. Iblis, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Hein. Hein. Tiens, ça gronde dans le ciel, là. Des grondements. Tiens. Vous entendez le truc, là? Vous entendez le bruit de dehors? Vous allez me dire que c'est normal, ce boucan? On entend comme un gros aspirateur dans le ciel. Ah, elle est bonne, celle-là. Pourtant, c'est la vérité. Hein. Voilà, les grondements dans le ciel, c'est pas des trucs normaux, ça. Puis me dites pas que c'est un avion. Hein. Faut pas se foutre de ma gueule, quand même. Des réacteurs, ça fait pas ça. Ça siffle pas comme ça. Hein. Ouais. Putain de merde. Hein? Le bougon, j'espère que j'ai réussi à le capter, le bruit du truc là dans le ciel. Là. Depuis le temps que je les entends, ces cons-là. Ouais. Un 700, un 300, enfin je sais plus jusqu'à combien ils sont arrivés en grosseur de machin, là, un 347 ou autre, ça fait pas comme ça. Hein. Ça siffle pas comme un aspirateur là en haut. Je sais pas ce qui branle là au-dessus, mais ouais, ils font des drôles de trucs de toute façon. Il y a des trucs militaires qui sont dans ma ville, là, j'en ai vu. Ça fait des mois et des mois que je vois des trucs hélicoptères, et puis là on a de plus en plus de trucs militaires, de camions militaires et puis hélicoptères de plus en plus. Donc ils sont en train de nous préparer une petite fête. Eh. Ils sont en train de préparer la 3G là. Eh. La 3GM. Ils vont nous la mettre celle-là. De toute façon, elle va se faire, hein. C'est comme ça.
Bon ben, au revoir. Je vous dis bonsoir et puis voilà, à la prochaine.